Allô! Bon matin! On est vendredi, le 29 mai, me semble. On est au Canadian Tire, j'attends avec Chrétien dans l'auto. Mais c'est ça, il est rendu 11h20. C'est ça, mon chum, il a acheté la robe pour souder la balançoire qui est brisée, là. Genre, j'ai hâte que ça soit replacé, justement. Puis Katia, elle a dormi un petit peu le matin quand je vous ai montré. Ça, je vous l'avais montré. Katia, coucou! Hier, je suis contente, j'ai réussi à sortir toute la linge d'été à Lucas et à Katia le laver. Puis là, le matin, je suis en train de serrer ça. Fait que j'ai un petit peu d'avance la semaine prochaine. Katia va être en répit, là. Mon but, là, c'est vraiment de faire le ménage. Là, toutes les pièces de la maison, épousseter, laver le plancher, là. Je serais fière, je réussirais à faire ça. Parce que là, je prends pas le dessus, là, puis ça m'affecte, ça me rend de mauvaise humeur, là. Puis Lucas, il est parti à l'école de bonne humeur. Il a pris son bain le matin. Moi, tout, j'ai commencé la journée à prendre ma douche. Pendant qu'il était dans le bain, moi, je prenais ma douche. Fait que j'ai commencé la journée comme ça. Il était bonnement parce que là, tu sais, il pouvait prendre la gomme à l'école, il y avait un pour 5 heures l'après-midi. Il fait beau, il fait chaud, c'est cool. Après ça, on a pris à matin notre café sur la terrasse. John et Sal sont venus nous rejoindre. Fait que c'était le fun aussi. Le kit était fin. Le kit est super fin. Quand il y a des choses avec nous autres maintenant, ça va, mon chien. Mais tu sais, s'il y a des distractions ailleurs que nous, ben c'est sûr que là, ça vient plus corsé. Mais là, Sabrina a reçu le collier hier, c'est bien ça. Elle a mis sa charge, mais là, elle s'en allait travailler. Elle travaille à 11h30. Jusqu'à 2h30, puis je sais pas après ça va commencer à le tester, à l'essayer, mais elle a dit qu'elle voulait l'amener chez eux un peu aussi. Fait que c'est ça que je vais vous raconter. Toi, Katia, comment ça va? Là, mon chum, il est supposé avoir nettoyé mes écouteurs. Je sais pas trop si ça fonctionne, ça va fonctionner, si le son va être mieux. Parce que moi, quand je fais le montage, je me rends compte, si la, comme là, la caméra est tournée vers moi, le son il est pas bon, mais si je filme quelque chose, mettons, je la virais de bord, je filmerais Katia, là, le son serait bon. Fait que c'est quand je fais le montage, je m'en rends compte. Que le son n'est pas bon. Mais là, j'espère que ça va être correct, sinon il va falloir que j'arrête de vlogger un peu parce que j'ai pas les moyens de changer de sel. Puis là, je sais que ces gosses-là, le son qui sont pas bien. Fait que sinon, on va faire je mette sur pause un peu les vlogs. Fait que je voulais faire un coucou. Et c'est ça, il est du 11h20. Les journées passent trop vite. Passent vite, 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 vite. J'ai pas bien dormi encore. Je suis vraiment fatiguée. Je me sens autant fatiguée que quand ça faisait des nuits blanches. Là. La chaleur aide pas non plus. Là. Fait que. Je vous souhaite un beau vendredi. On se reparle. Hey Katia, on est bien à l'air climatisé dans l'auto, hein? Katia, elle a une robe que Sabrina mettait, qu'elle a donnée à Katia, puis elle fait super bien. Oui, 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 elle y fait super bien. Oui, oui, oui. Katia, regarde maman. J'ai pas encore défait ses tresses, parce que je trouve que ça fait clean, ça fait propre. Mais demain, je vais y défaire, je pense. Je sais pas si elle lance plus frais demain, faudrait que je check. Ah, oh, je suis contente. Mon chum a réussi à réparer. On envoie notre balançoire en bas. Je suis vraiment contente. Bonne chose de vivre. Là, on est en train de raménager un peu notre interbloc. J'ai tassé le foyer plus là en avant des deux chaises. Puis là, la piscine, je vais l'ôter, mais je vais attendre les carrés de l'école pour qu'ils se baignent parce que là, il faut le chaud. Mais je vais tasser. Je vais, là, j'ai lavé le tapis qu'il y avait là, le tapis extérieur. J'ai tout rincé. Je vais le mettre sur l'interbloc. On va mettre la table. Je vais l'acheter un parasol aussi. Fait qu'on devrait mettre ça plus clean. Mon chum est au Walmart, regardez, ça fait à fil. C'est pas drôle, hein, pareil. Mm. Ah, Katou, il y a du monde. Hey, ça fait à fil dehors. Au Walmart, ça n'a pas de sens. Je pense qu'il fait beau, mais caline. Là, ça, on est venu chercher un médicament à Katou, ils m'ont appelé. Ils ont dit que tout était prêt. Fait que j'espérais les avoir parce que ça arrivait juste. J'avais pas mis peur d'en manquer, tu sais. Même bête. J'avais plus de paquets. C'est sûr, il faut que j'en chercher du sel le même matin. Mais j'espérais, tant qu'à venir les chercher, qu'on venait les chercher tout en même temps, tu sais. Parce que j'avais, à cause de son Keppra, il faut que je le commande à cette heure. Je le commande. Fait que, tu sais, je peux pas aller le chercher direct. Les autres, ils l'ont pas. Il faut qu'ils le fassent venir d'un autre pharmacie, je sais pas trop. Fait que c'est pour ça, tant qu'à passer, je voulais. Oh, gars, viens de chercher la main. Regardez, elle veut que je la touche, regardez. Tu veux me prendre ma main? Ma petite minouane, oui. Allô? Je l'aime tellement, là. C'est ces gestes-là qui me font rire. Elle vient me toucher pour que je lui donne la main. T'es fine. Oui, t'es fine. T'es fine. Ah, Katia? Oui. T'es fine. Oui. Belle fille. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis contente. En tant qu'elle cherche, on va tout nous chercher en même temps. Puis en même temps, ben, le quai avait plus de bouffe, puis j'avais plus de savon lavage, puis on avait plus d'eau de javel. Fait que mon chum va aller chercher ça en même temps.
Puis quand on partait, ça, ben, elle revenait travailler. Puis elle venait chercher Lucky. Fait que Lucky va aller dormir là. Il était pas tannant aujourd'hui. On voyait que la chaleur, il faisait juste dormir. Il dormait en avant sur le perron. Là, Lucas va arriver de l'école. Puis j'ai hâte parce que je vais lui donner le petit cochon. Parce que là, tu sais, je trouve qu'il fait des beaux efforts par rapport à... Tu sais, à l'école, ça va bien. Puis... Nous autres, le confinement, ce que ça a mis de positif, c'est... Vous saviez, Lucas, t'es pas encore... Tu sais, il s'échappe encore la nuit, là. Il était pas capable de se retenir la nuit, puis ça fonctionnait pas. Même si j'essayais de le lever de toutes les manières, en tout cas, peu importe ce que j'essayais, ça marchait pas. La pédiatre m'avait dit pas m'inquiéter. Eux autres, jusqu'à 8 ans, avant 8 ans, ils s'inquiètent pas. C'est des choses normales. Regardez-la, ma grand-mère touchée. T'es drôle, Katou! T'es drôle! Katia! Katou! Elle voulait ouvrir la porte. T'as-tu t'as touché maman? Hein? Vraiment drôle. Fait que là, c'est ça, c'est ce que t'es en train de dire, c'est ça. Puis de, le confinement, ça en est ça de positif. Lucas s'est mis à être propre la nuit. Je capotais. Mais là, j'appréhendais, j'ai dit le retour à l'école va peut-être le rendre anxieux, puis ça va te faire pour commencer à s'échapper, puis. Mais non! Puis là, en plus, tu sais, on met même plus de. Ben, les pull-ups, dans le fond. Comment on appelle ça, les culottes de nuit, là? On n'en met même plus rien, là. Ça fait 2 semaines. Puis là, ben, tu sais, vu que Sabrina, ben, elle a déménagé, ça vient plus. Sabrina vient dormir une fois par semaine, là, chez nous, quand même. Je trouve ça quand même le fun, mais tu sais, dans un sens, elle a plus besoin de la grande chambre. Puis là, on s'était dit que quand Lucas serait vraiment propre la nuit, que là, on y changerait son lit, on y achèterait un lit double. Puis, fait que là, par le fait même, il serait fun de tomber dans la grande chambre. Fait que le lit double et tout. Puis Sabrina, ben, pour les nuits, une fois par semaine qu'elle vient coucher, ben, elle irait dans l'ancienne chambre à Lucas. Katia! Katia, tu viens-tu me toucher? Fait que c'est pour toutes ces raisons que là, je vais lui donner son cochon. C'est juste que j'ai peur qu'il délaisse Chelours, par exemple. Fait que... Mais c'est ça, je suis vraiment fière, là. Je suis vraiment fière de Lucas. Puis tu sais, il va avoir 8 ans aussi dans un mois. Puis tu vois, c'est vrai, on dirait que là, le cerveau a eu le déclic. Il a compris comment ça fonctionnait, comment ça retournait la vessie. Puis même dans le temps, quelqu'un a dormi dans le temps. Pamela a dit que dans la nuit, il s'est réveillé. Puis ça pressait, il dit « Faut que j'aille aux toilettes! » Tu sais, déjà, avant, ça le dérangeait même pas. Il se mouillait, puis ça le réveillait même pas, ça le dérangeait vraiment pas. Fait que ça, je suis tellement contente de voir ça, là. Fait que si ça en arrivait de l'école, là, je vais lui donner son petit cadeau. Hein, Katia? Comment elle va, Katia? Hein? J'ai l'impression qu'elle m'a retouchée. Mais elle est... Quand elle veut, je donne la main, elle vient me toucher. Hein? Fait chaud, hein, Katou? Oui? Il fait chaud? Elle est encore toute bien coiffée, grâce à Lise. Je l'aime tellement, Lise. Je sais pas ce que je ferais si il faudrait qu'elle vienne plus. J'aurais vraiment de la peine, j'aurais le cœur gros. Hein, Katia? Coucou, Katia! Katia, coucou! Demain, ça refroidit déjà la température. Je pense que ça tombe à 20 demain. Puis je pense qu'on se l'appuie. Est-ce que ça soir, je vais vider la petite piscine, par exemple, à Lucas? Je pense bien en arrivant de l'école, là, mais. Katou! Je sais pas qu'est-ce qu'on va manger pour souper. Quand il fait chaud, on ne tente pas de cuisiner, hein? On ne tente pas de manger chargé. C'est pas à trouver des idées. On a moins d'idées, je trouve. Touché. Très touché. Tu mets la main? Oui. Tu veux te donner la main? Oui. Là, je pense qu'elle veut prendre la gomme parce que pendant la semaine, c'est pas du manger, c'est pour ça. Là. Allô? Tu veux la main? La main? Tu
Tu veux la main? Mmh. La main. Mmh. C'est vendredi! C'est à moi? Oui, c'est à toi! Je... C'est mon cochon! Oui, c'est ton cochon! Avec chez l'ours. Chez l'ours, j'ai une belle amie. Je suis contente. Ah! Oh. Il dirait que tu fais salut. Hein? Je suis contente de vous voir. On va manger en bas pour la première fois. On mange du steak. Pas qu'on faut. C'est fun de manger en bas aussi. Quand on va sortir Katia, quand on va profiter du bon temps. Bon appétit. Bon appétit. Lâche l'iPad du cœur. Katia, elle prend son gobelet en balançoire que papa a réparé aujourd'hui. Oui.